87e minute et l'une des rares incursions de l'en avant de Guingamp. Le ballon qui revient sur Dagano, la frappe du Burkinabé légèrement déviée et qui trompe Itange. 2-1 et belle récompense donc pour l'attaquant breton, très critiqué depuis son arrivée, le successeur annoncé de Drogba. Dagano qui redonne trop tardivement.